upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Promis, s'il te plaît. Nous lisons de 1 Timothée, le chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, 9. De même que les femmes se parent de vêtements chastes d'une manière décente, associée à la pudeur et à la moralité, et non pas de tresses de cheveux et de parures d'or, de perles ou de vêtements précieux. Nous devons également prendre cette parole très au sérieux. Elle s'adresse en effet à nos chères sœurs. Dites-nous franchement, une femme croyante peut-elle se promener avec une jupe qui arrive à son genou ou même au-dessus du genou de 10 cm, ou doit-elle se promener avec une robe ou une jupe qui est bien en dessous du genou, au moins à 10 cm, couvrant tout ce qui fait partie du genou? J'ai prêché une fois dans les années 70 au Canada, au Saskatchewan, dans une communauté ménomite, et c'est là, jusqu'à dans notre temps, que les femmes sont vraiment habillées de manière si pudique, décente. Le chemisier est boutonné jusqu'au bout du haut, jusqu'au bouton du haut. Il n'y a rien d'ouvert. Et vous verrez de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que Paul a mis autant d'importance sur les nombreux passages bibliques qui parlent de la manière dont les femmes doivent être? Et chez nous, ce ne sont pas seulement les femmes, mais les sœurs en Christ. Toutes les autres femmes n'écouteront pas de toutes les manières. Mais les chères sœurs en Christ l'écouteront, obéiront, vêtues avec pudeur, non pas avec des tresses de cheveux, non pas avec des choses extérieures ornées, mais vêtues avec simplicité, de manière décente et consacrée à Dieu de tout leur cœur. Et dans l'obéissance, elles feront ce que le Seigneur Dieu a dit.